Salut, c'est Madame Échantillon. J'ai reçu aujourd'hui non pas un colis, mais un courrier. Je sais ce que c'est, puisque j'ai reçu un email il y a quelques jours pour m'indiquer comme quoi j'avais gagné des moelleux au chocolat. Je sais juste que je reçois des bons de réduction pour aller les chercher en magasin. Mais je vais tout de suite voir ce que contient donc cette petite enveloppe et voir exactement ce que j'ai gagné. Voilà. Alors, donc, c'était en participant sur le site TRND où j'ai joué à un jeu concours et donc j'ai gagné des moelleux, des desserts, moelleux au chocolat Marie Morin. Voilà, comme ça. Ce sont des moelleux au chocolat, donc ils sont sans colorant et sans conservateur. Des moelleux au chocolat qui sont à réchauffer au micro-ondes. Donc c'est cuit à la vapeur pour une texture unique, chocolat noir 100% pur beurre de cacao, crème fraîche fermière, des œufs de poule élevés en plein air, de la farine de blé cultivée en France. Donc là ici j'ai deux bons de réduction de 50 centimes et 1 euro. À valoir donc les 50 centimes c'est pour un moelleux au chocolat noir 120 grammes et le 1 euro c'est pour 2 fois 120 grammes. Voilà, avec le hashtag moelleux Marie Morin, donc ça je le mettrai sur les réseaux sociaux aussi pour ceux qui me suivent. Et là j'ai gagné donc un bon de réduction de 3 euros pour pouvoir aller acheter, j'en ai deux même, 3 euros à valoir sur les moelleux double format. Et j'ai un bon de réduction d'1,75€ pour le format unitaire. Je vais voir combien ça coûte. En fait, je connaissais même pas la marque. Bienvenue dans l'équipe. Nous sommes heureux de vous compter parmi les 500 nouveaux ambassadeurs et ambassadrices. J'ai ici plusieurs bons de réduction. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez les recevoir pour que je puisse vous les envoyer et pour que vous puissiez aussi profiter donc, de 50 centimes de réduction et 1€ sur le format double. On va aller en magasin, on va aller découvrir tout ça ensemble et puis on se retrouve après donc pour tester le produit. Ça y est, j'ai enfin trouvé mon Marie Morin. Alors j'ai fait plusieurs magasins, je n'en ai trouvé nulle part. Je n'ai trouvé que le format individuel à Monoprix. Je n'ai pas en fait les formats doubles. Donc j'avais un bon de réduction d'1,75€, le produit coûte 1,99€, ce qui fait en fait que je ne l'ai payé que 24 centimes. Voilà, donc c'est Marie Morin et son moelleux au chocolat noir, comme ça, voilà. On va déguster ça ensemble, j'ai pris la cuillère, c'est parti. Alors, on va voir si c'est bon. Donc en fait, le yaourt, enfin le moelleux au chocolat, c'est une contenance de 120 grammes. Alors l'opercule est difficile à enlever. Voilà, oh, ça fait une belle petite mousse onctueuse. C'est parti pour la dégustation, je suis une grande fan de chocolat. Alors ça fait une petite mousse au-dessus et par contre à l'intérieur, ça fait comme une crème. Donc c'est vraiment trop bon, ça a vraiment fort le goût de chocolat. C'est pas trop sucré et vraiment on sent bien le goût de chocolat, c'est pas écœurant, c'est pas pâteux dans la bouche, c'est un très bon dessert. C'est du chocolat pur beurre de cacao, crème fraîche fermière, des œufs de poule élevés en plein air et la farine de blé cultivée en France. C'est produit en Bretagne, ils sont préparés à Quessoy. Donc là il y a 120 grammes et pour 100 grammes ça fait 406 calories. Alors par contre c'est un peu calorique. On va regarder les ingrédients parce que c'est vrai que beaucoup de desserts, en fait, il y a beaucoup de sucre, beaucoup de E quelque chose, etc. Donc, on va découvrir. Donc, il y a des œufs entiers, du chocolat noir 18%. Il y a de la pâte de cacao, du sucre, du beurre de cacao, un émulsifiant, lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille, beurre salé. Ah, c'est ça qu'on sent. En fait, il y a un petit goût sucré, mais en même temps, c'est ça que maintenant, en voyant ça, forcément, il y a un petit goût de beurre salé, effectivement. Du sucre, de la crème fraîche, de la farine de blé, des traces possibles de fruits à coque. Et c'est tout. Merci TRND et merci Marie Morin de m'avoir sélectionnée en tant qu'ambassadrice. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux échantillons. Bye bye, c'était Madame Échantillon.
Juste, je voulais faire une petite précision. Lors du début de la vidéo, je dis comme quoi il faut le mettre en fait au micro-ondes. Alors moi, je l'ai goûté froid, tout simplement parce qu'au magasin, en fait, je l'ai trouvé dans le rayon frais, comme les yaourts. Voilà, donc la raison pour laquelle je l'ai goûté sans faire chauffer.